Salut à tous les gamers, c'est Wartek et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top 10 Kills spécial Headshot cette semaine. Attention, ça fait mal à la tête et même des fois très très mal à la tête. On commence à la 10ème place avec V-Height qui joue sur Scrapyard sur MW2. Il va tenter un magnifique trick shot en kill cam final, vous allez voir, il va le mettre et en headshot across map. Je vous laisse apprécier la réaction un petit peu aiguë. Un très beau trickshot. À la 9ème place, on continue avec Who's FRZ qui joue sur MW3 sur Terminal. Vous allez voir, il va mettre un wallbang triple headshot au L118. Franchement, sublime. 8ème place, SNT Mexican qui joue au MSR sur Bootleg. Vous allez voir que enchaîner des ennemis quand ils vous arrivent à plein dessus, c'est dur, mais lui il arrive sans problème. Il va faire une triple field headshot et une quad field headshot. Ouais, mais ça, full quickscope. 7ème place, un clip à la M16 silencieux. On trouve iFix qui va faire une tête, une deuxième tête, une troisième tête et une collate headshot pour une 5 field headshot à la M16 silencieux. Vraiment remarquable. 6ème place, Dark Cryo qui va jouer sur Interchange au Barrette. Vous allez voir, il va mettre une tête, une deuxième, troisième et quatrième tête pour la quad feed headshot triple élimination. C'est vraiment remarquable. 5ème place, Pixel Ryan qui joue à World at War. Ça fait plaisir de voir des clips sur d'autres jeux que Modern 3. Et vraiment, vous allez voir un clip qui est plus que sublime. Il joue au PTRS. Vous allez voir, il va voir un petit ennemi par là-bas. Il va lui mettre une collate headshot. Triple feed headshot et quad feed headshot sur World at War. C'est incroyable. 4ème place, on retrouve OHM Helios qui va faire une plus 25 sur code 4 only headshot. Il est broke malheureusement, mais ça représente comme un multi-kill, une 5 feed multi-kill only headshot. 3ème place, Sick PK qui joue à Black Ops sur Havana au PSG1. Vous allez voir, il va activer son drone, se tourner à droite et là, coucou! Triple headshot au PSG1. Ça reste quand même un clip incroyable. À la 2ème place, TCC Magic, Flashcom, triple headshot wallbang sur Village. Et à la 1ère place, pardon, on retrouve un clip plus qu'incroyable d'Acid Dib qui va mettre une tête au barrette silencieux, changer sur le L118 silencieux et faire une quad feed headshot de snipe en switchant entre chaque snipe. C'est tout simplement incroyable. Et en clip bonus, on retrouve TMI Jelly, un clip que vous avez peut-être déjà vu. Il va jouer au L118 sur Arcaden et vous allez voir qu'il va tout simplement mettre une quad headshot dans la gueule à ses filles. Si tu regardes cette optique, chez ses filles, j'ai envie de te dire dans ta gueule. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode du Top 10 Kills spécial Headshot. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, un épisode assez court, mais des clips qui restaient tout simplement incroyables. Acid Dib, qui est en 1ère place, a fait un montage incroyable, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Ça relève tous les standards de Call of Duty, c'est vraiment plus que incroyable. Pour le 24 août 2012, je vous propose de participer au Top 10 Fail. Donc vous savez le système, vous uploadez vos clips sur YouTube, vous m'envoyez le lien du clip par mail à l'adresse tdiska@hotmail.fr en faisant une petite description du clip et en mettant un objet très explicite qui est donc par exemple Top 10 Fail du 24 août, en m'expliquant bien. Voilà, participez nombreux, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire si ça vous a plu et surtout regardez les anciens épisodes de Top 10 si ça vous intéresse, il y en a plein et le dernier étant un Top 10 Fail vraiment très intéressant à voir. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, c'était Wartek, allez ciao tout le monde.